Après un séjour de travail de 48 heures à Lomé au Togo, le président de la République vient de regagner Brazzaville cet après-midi. Dans la capitale togolaise, le chef de l'État a pris part au sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sur la paix, la stabilité, la sécurité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ce sommet avait pour objectif principal de trouver les meilleures approches pour éradiquer le terrorisme et garantir la paix aux populations vivant dans ces deux sous-régions. À l'issue de ce sommet, la déclaration de Lomé a été adoptée par les chefs d'État présents à cette réunion. Ils ont aussi réaffirmé leur volonté commune de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité dans le domaine de la formation des ressources humaines, du renseignement et du respect des règles du droit international humanitaire. Tout compte fait, le sommet de Lomé s'est achevé sur une note de satisfaction de la part des décideurs politiques de l'Afrique centrale et de l'Ouest.